atteindre, il se déplace au niveau du centre de radiothérapie. Donc, au niveau du centre de radiothérapie, on a des ihtiyarat par rapport à sa résidence ou par rapport à la date la plus proche. Donc, il va choisir. Il va choisir selon les contraintes. Donc, il aura son rendez-vous. Donc, par exemple, à Oujaf, le centre de Blida. Donc, le centre, on a un rendez-vous à la 15e année. Alors, peut-être que Béchar ou un autre centre, il est sur place, le rendez-vous. Donc, mais il n'a pas de 15e année. Donc, s'il est d'accord pour partir, donc, il aura directement son rendez-vous immédiatement. Sinon, donc, selon la convenance du patient. Quatre sites pilotes. Le site pilote de Annaba, Adrar, Béchar et Séti. Et maintenant, on va le mettre sous la avec quatre marakis de traitement de radiothérapie. Une fois qu'il n'y aura pas de problème technique, bien technique, je dis technique, donc on va le lancer directement au grand public. هذا المنصة الرقمية راح تكون مقسمة بين ثلاثة انترفينون يكون المواطن تكون سكرتير ميديكال ويكون لو ميدسان دونك هادو هما لي 3 اكتور دو سيت بلاتفورم نوميريك. او نيفو ناسيونال كاين بعض المراكز اللي عندهم يلحقوا ميم بوغ سيغتان لوكاليزاسيون 6 mois. Par exemple, le sein, ils ont les rendez-vous terme de badin. Quand ils ont le Marrakech, ils ont les rendez-vous terme zéro, liste d'attente. Donc, c'est pour réorganiser les malades au niveau national avec la prise en charge. S'il faut, on va les prendre en charge au niveau des centres lointains. On va aller graduellement, mais je ne sais pas si on utilise le même adat à la prise de rendez-vous. On va dire que nous allons aller au Mouadin, il y a un rendez-vous, Inch'Allah, en ligne. Mais ce n'est pas la peine que le mari dit que nos maris, mais d'abord, automatiquement, il y a un mètre d'aide, il y a des modifications, donc plusieurs applications, il y a un mètre d'aide, il y a une application de logement, il y a une application de hajj, on va dire directement en ligne. Donc, on va dire que nous allons aller au Mouadin, Inch'Allah, en ligne.